et on se retrouve sur Roblox pour la voiture à 1€, baisse la voiture à 1000€ et la voiture à 1 000 000 d'euros. Bien sûr, nous sommes en compagnie de Luto le nain qui a un problème avec son nez. Attends, t'as bu trop de ponche ou quoi à Noël? Mais mec, à Noël c'est très bien, je suis le roi de la ponche et du coup j'ai vidé tous les verres de tout le monde, mec. Mais attends, mais c'est incroyable, mais t'es carrément dégoûtant. Et par contre, on a 0,8 les kiwis, mais attends, Luto le nain, j'ai l'impression qu'il ressemble pas trop à un kiwi pour le coup. Mec, c'est quoi ça? C'est pas un kiwi ça, je dirais une vieille éponge sale, mec. Non, c'est des churros pour que tu manges, Ludo. Mec, faut pas me dire ça deux fois. Gros, j'ai carrément envie de déguster ces churros qu'il a sur le crâne. Non. Si, moi, je vais manger de mes bananes, moi. Personne mange mes bananes parce que vous savez quoi? Si vous mangez mes bananes, je prendrai tout simplement les pots de bananes pour les mettre sous vos pieds. Bon, trêve de plaisanterie et de bavardage, bien entendu. Est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, on va faire des courses, ouais. Ouais, mais des courses de quoi, mec? Des courses de quoi? Attends, est-ce que je peux t'attraper le bête, Ludo? Ah non, je peux pas t'attraper le bête. Laissez-moi tranquille, bordel. Mais oui, mais j'ai envie. Viens, allez, donne-nous. Ou alors, attends. 0,8, essaye une fois de me faire le bruit d'un nain lorsqu'on l'attrape par son nez. Ok, je te fais le bruit d'un nain. Attention. Attends, quoi? Attends, je vais essayer. Ludo, monte ton nez. Attends, vas-y, je tire dessus. Ah, mais mec, ça se fait pas, gros. Ah, bah toi, t'as un énorme nez. Bon, allez, les amis, venez, je vais vous présenter tout simplement l'autoroute. Et je peux vous assurer qu'elle paye pas de mine. Hein. Venez avec moi donc. Et là-bas, c'est l'autoroute en fait de ce qu'on va devoir faire nos courses. Mais mec, Nobo, viens ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est dangereux, hein. C'est l'autoroute, mais il y a aucun d'entre nous qu'on a le permis. Comment on va faire pour rouler avec une voiture si on n'a pas le permis? Ben oui, il est vrai. Attends, mais Zerwin, toi, t'es mineur en plus, tu peux pas rouler dans des voitures. Oh là là, c'est pas grave, moi je conduis, je suis un bandit, moi. Attends, on a carrément une racaille avec nous, serait-ce le retour de la racaille? Oh là là, magnifique. Bon, venez, attends, direction l'autoroute. Alors, je vous explique un petit peu le temps qu'on aille sur le chemin, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va commencer avec des voitures à 1€ tous les trois, d'accord? Donc, ce sera des Kia, hein. Je sais pas si quelqu'un a une Kia dans la vraie vie, mais moi, en tout cas, c'est clairement pas ma voiture de luxe, hein. C'est pas 1€ pour moi, parce que j'ai même pas 1€, en fait. Attends, quoi? Mais vas-y, dis-moi, 1€, vas-y. Est-ce que je pourrais avoir 1€? Allez, non. Quoi? Mais tu veux bien arrêter de faire la racaille là? Non, mais je donne pas un. Toi, tu veux juste me voler mon euro, c'est tout ce que tu veux. Mais t'as qu'à aller voler les 1€ à la station essence, il doit avoir plein d'argent avec l'essence qu'il prend. Mais moi je suis pas une racaille, moi je suis un gentil, un citoyen, du coup c'est pour ça que je demande justement 1€ pour pas aller voler. Écoutez, vous arrêtez hein, parce que sinon le sage va s'énerver, je vous le dis hein. Bon allez, tiens, prenez une pièce 1€ chacun, voilà. Allez, 1€ pour le nain et 1€ pour le bandit. Parce que moi je suis tout simplement Noble Bonobo et j'ai tout simplement le plus d'abonnés sur YouTube, donc ce qui veut dire que je suis multimillionnaire, d'accord? Ouais, j'avoue. Mec. Ok, allez, tout le monde sort sa Kia, c'est parti. Bon, du coup, tout le monde, ici, on se retrouve dans nos Kia Picanto. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, si vous avez également une Kia, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas clairement aussi à me dire dans quelle voiture roulent vos parents, tout simplement. Donc, est-ce que mon petit groupe de Kia Picanto sont prêtes? Oui, moi je suis prêt, mec. Moi je suis méga prêt, mec, je te le dis, je vais tout régagner. Ok. Ludo, t'as un petit mot à dire avant de démarrer? Ouais, go! Quoi? Oh mais quoi? Il a démarré avant nous! Mais gros, il triche! Mais attends, mais c'est quoi cette blague? Attends, mais c'est pas possible! Mais t'es un tricheur comme d'habitude, Ludo le nain! Je suis pas un tricheur, mec, moi je. Oui, je le rattrape! Oh, je rattrape! Voilà! Ok, je passe sur sa bande! C'est parti! Non! Oh! Moi je bloque! Gros, regarde derrière! Vous me défoncez dessus, bande de méchants! Mais il s'est retourné, ce gros nain! Attends, mais c'est trop. Allez, moi je bloque Nobo. Go, comment ça tu bloques? M'approche pas, m'approche pas! Oh! Il m'a foncé dessus! Mais attends! Mais c'est une racaille aussi! Mais c'est vraiment une racaille, je suis un gros Nobo, viens, on se met à deux! Ouais, vas-y, viens! Aïe! Non, mais attends! Moi je t'explique quelque chose, la racaille! En fait, nous on est arrivé deuxième et troisième pour Ludo le nain. Mais c'est pas grave parce que on va mettre nos comptes en commun pour pouvoir s'acheter la même voiture que toi à 1000€, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Mais dans tous les cas, là, la deuxième course, le retour, je vais quand même la gagner. Ok, d'accord. Et par contre, Ludo le nain, tu sais ce que j'ai fait? Regarde. Attends. J'attrape pas de ces churros, allez, je tire dessus! Aïe, arrête. Bon du coup attends parce que là c'est quoi? C'est un mécanicien qui vient de se rajouter parmi nous là? Qu'est-ce qu'il veut lui? Mec c'est un pote à 0,8, c'est d'office. Gros 0,8, t'es sérieux? Ramener tes potes ici?
Mais non, c'est pas un de mes potes. Arkane est en train de voler la voiture en fait. Ah oui, c'est Arkane. Mais ça voleur, mais c'est pas grave. Mon collègue. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Parce que tout simplement, maintenant on a de l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture. Alors, les acheteurs de voitures, sortez votre voiture. Allez. Allez, c'est parti. What? Let's go. C'est une BMW M5, si je ne me trompe. Mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que c'est une BMW 5. Moi j'ai 1000 euros à présent, je peux utiliser beaucoup plus d'argent pour acheter une meilleure voiture. Ah ouais, c'est vrai. Attends, mais par contre Ludo, j'arrive pas à aller dans ton équipe parce qu'on a dû mettre nos comptes en commun. Ah mais voilà. Bah du coup Zerwin, qu'est-ce que tu fais proche de notre voiture? Attendez deux secondes, je dois m'absenter. Attendez, regardez, attendez, surtout ne regardez pas hein. Oui, ne regardez pas. Vas-y. Mais regarde, mon mécanicien Rakaï, mécanicien Rakaï, tu peux me mettre un meilleur moteur sur la voiture s'il te plaît? Quoi? Vas-y. Vas-y. Oh, oh, attends. C'est fait, merci beaucoup le mécanicien. C'est bon, on peut y aller, désolé. Ça va. Fais attention Ludo, il a préparé quelque chose dans son moteur. Dagagagis, mets ensemble, ils sont dans la même voiture. Oh là là. Ah ouais, mais mec, c'est quoi ça? Ok, bon vas-y, du coup on se met à côté, hein, bah, tous les deux sur une bande, allez. Alors du coup les amis, dites si vous êtes pour la team Zerwin, la team Will, la team Ludo, le Ludo, le débarque. Non, c'est pas grave, mécanicien, on va les rattraper, regarde bien. Regarde, on est devant, pour le moment, on est devant. Vas-y, bah, Ludo, regarde. Pour le moment. Oh ouais, mais mec, il est derrière, gros, il est trop nul. Attends, c'est que j'ai une idée, on va aller sur sa banque, comme ça, il pourra pas lui dépasser, gros. Ah ouais, j'avoue, attends, je jette des pots de banane. Attends, pots de banane, pots de banane. Une voiture. Oh. Ouais, quoi? What? Ok, mais bah, attends, mais il est où? Mais il est trop loin, gros. Okay. Vas-y, mécanicien, c'est bon. Vas-y, encore. Comment ça, mécanicien? Mets le turbo. Attends, mais gros, regarde derrière! Mais il vient de gagner, il arrive au tournant avant nous! Mais c'est pas possible! Stoppe la voiture! Mais oui, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais sérieusement, mais t'es un tricheur avec ton mécanicien! Mais c'était vraiment trop facile, les gars, vous êtes vraiment des noobs! Ah mais non! Mais en non! Plus, il se moque de nous! Vas-y, il se moque de nous, bon, du coup. Les losers! Mais comment ça, je suis un loser et tu veux que je t'attrape par tes chaussures ou quoi? Tu veux que je te casse la tête ou quoi? Moi, j'hésiterai pas à devenir violent, je te dis clairement! Oh là. Attends, tu penses, Ludo le Nain, si tu utilises ton arrosoir sur ses cheveux, est-ce que tu penses que ça pousse plus vite? Attends, j'essaye. Attends, c'est Rick le Kiwi, viens ici des minutes, j'ai un truc à te montrer. Vas-y, regarde. Ah oui, mais oui. Chut, allez, c'est bon. Oh, ah, gros, ça fait mal. De l'eau froide. Bon, du coup, Ludo, on va devoir encore mettre nos comptes en commun, c'est pas grave, vas-y. Venez, approchez-vous de moi, on va sortir la voiture à 1 million d'euros. Alors, je demande du coup aux hélicoptères de faire le largage des voitures à 1 million d'euros. C'est parti, let's go. Wouh. What? Allez. Attends, mais gros, mais c'est des Rolls-Royce fantômes. Bon, ok, du coup, on se retrouve ici. Mais du coup, mais attends, mais comment ça se fait que ton mécano est en train de faire la course avec nous, là, Zerwin et Kiwi? Moi, je sais pourquoi. Je sais très bien pourquoi, Nobo, hein. Pourquoi? Il va d'office nous prendre un sandwich, mec, et comme ça, on va se faire casser notre voiture à 1 million d'euros, je le sais. Moi, j'aime pas les sandwichs parce que, personnellement, je préfère les hamburgers. Mais attends, c'est bon, le mécano fait... Attends, mais il se prend pour qui? Attends, mais je vais aller lui casser. Tu veux que je te casse la bouche, honnêtement? Bon, attends. J'ai de l'eau froide, mec. Rakaï, tu vas t'occuper de ton mécano parce que là, il est en train de nous donner des ordres. Oui. Allez, vas-y, donne-leur des ordres. Regarde, on a poussé sa voiture, viens vite. Go, on a poussé sa voiture. Non. Allez, c'est parti. Oh, papa. Allez, on démarre. Allez, la bise. Hein. Salutations. On a poussé sa voiture. Mais c'est parce que t'as des gros muscles en fait, t'as réussi à pousser une voiture à 1 million d'euros. Mais gros, j'ai des gros muscles. Par contre, je suis en train de rêver ou il est en train de me rattraper là? Mec, c'est pas possible sur mes cadres. Oh, le moteur, gros, je t'entends plus. Gros, what? Wouh, gros. Attends, mais s'il te plaît, je veux pas mourir. Gros, s'il te plaît. Je sais pas comment conduire une voiture. Mais non. Gros, il y a un accident. Aïe. Qu'est-ce que t'as fait? Gros, mais c'est la racaille. Il a prévu de mettre un barrage sur notre passage pour qu'on sur les noobs. What? Voilà. Oh là là, mais non. Mais voilà, mais franchement voilà. C'est encore la racaille qui a gagné, mais franchement c'est pas gentil de ta part, la racaille. Mais Ludo, je sais pas ce que t'en penses de cette course, mais clairement je déteste la racaille. Mec, la racaille, je te jure, je veux plus jamais le voir. Et crois-moi, mec, bon, on va se venger, je te le promets. Bien sûr. Et d'ailleurs, si toi tu as tout simplement envie de voir cette vengeance, n'hésite pas à liker cette vidéo, bien sûr t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas également à aller voir la chaîne de Ludo et de Zerwin, le kiwi qui est dans la description. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, on se dit à la prochaine. Tchou.